Tous ceux qui suivent depuis un moment sauront que dans la grange, c'est le bordel en ce moment parce que j'ai refait l'atelier. Il faut encore que je range, mais surtout, il me faut un établi parce que je m'en sors plus là dans la grange, c'est pas possible. Donc, voilà l'établi. On va maintenant le construire. Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo, pendant que vous regardez mon petit modèle 3D qui m'a donné les dimensions tournées, j'attaque les découpes pour construire ce fameux établi dont j'ai tant rêvé et que j'ai jamais pris le temps de faire depuis le début de la chaîne YouTube et de cette maison. Donc clairement il était temps et vous allez pouvoir suivre le processus au moins jusqu'à la première version utile de l'établi. Voilà mon super plan. J'ai un cadre pour sous le plateau et un autre au sol et des pieds de 70 cm puisque ça me fera un plateau à 90 avec des roues de 10 cm. Les lames c'est pour me faire des range-caisses comme au fond. Ça me permettra d'avoir trois caisses utilisables. Et à ce bout-là, il y aura une découpe pour mettre la scie. Donc ça, on va retravailler dessus. Mais c'est un problème pour plus tard. Donc une fois n'est pas coutume, vous m'avez déjà vu faire plein de fois. Je vais préparer mon cadre, le mettre là-dessus, le serrer avec des serre-joints et le souder. Toutes les soudures sont faites avec mon GIS Smart Mix 160 avec du fil fourré, donc sans gaz. Parce que j'ai plus beaucoup de gaz et qu'il faut que je reprenne une bouteille. Mais ça marche très bien pour ça, le fil fourré, quand c'est pour souder du gros tube en 2 mm d'épaisseur. Objectivement, il n'y a pas vraiment besoin du gaz. Et oui, on n'a jamais assez de serre-joints. On en a précisément moins que ce dont on a besoin. Toujours. Il m'en faut 4, j'en ai 3. Il m'en faut 10, j'en ai 8. Il m'en faut 20, j'en ai 18. Donc j'ai mes deux cadres pointés, maintenant il faut que je décide comment je vais les marier avec des tubes au milieu pour que ce soit toujours à la même hauteur. Il faut que je réfléchisse 2 minutes. Showtime. Ah.
Voilà. Bon, on a un établi, plus ou moins. Maintenant, je vais finir toutes les soudures et mettre les roulettes. Et ensuite, on pourra le rebasculer. Dernière étape, j'ai tout soudé correctement et j'ai poncé toutes les soudures, aussi bien au-dessus que sur les côtés qu'en dessous. Maintenant, les roulettes. Je vais en mettre 4 pour l'instant. J'en mettrai peut-être 2 de plus au milieu en fonction de comment ça se passe. Les roulettes... C'est comme les tubes, je les avais déjà, c'est celle de l'ancienne table de terrasse. Et elles vont aller dans les coins. Et ça devrait le faire. Je ne vais pas les souder très fermement. D'abord parce que c'est pas fait pour, mais j'ai pas envie de visser, percer, tarauder. Et aussi parce que si ça va pas, je veux pouvoir les enlever et les changer facilement. Voilà. Nous avons l'établi. Maintenant qu'il est sur roulette, l'établi. Qu'il est debout et poncé, je vais faire les rails pour mes caisses. Même caisse verte que d'habitude, j'en ai déjà fait un meuble entier. Je vais en mettre 3 là, comme ça j'aurai l'endroit où mettre les projets en cours, type les moyeux de la tondeuse qui sont actuellement démontés. Il y a toujours des projets, on attend des pièces, on fait des choses. Ça me fera un endroit où stocker les trucs sans que ça traîne. Il est temps de mettre la planche dessus. Voilà la bête avec mes 3 tiroirs. Alors, pourquoi j'ai pas vissé la planche? Parce qu'il y a encore un morceau que je voudrais souder au milieu en renfort si nécessaire. Et parce que je vais la renlever pour mettre la scie de table dans le bloc à droite. En coupant donc un bout de la planche pour mettre le plateau de la scie de table qui dépasse et je veux un système d'ajustement. J'ai encore du boulot à faire, mais l'étape 1 est faite. Voilà. Et alors, est-ce que je peux monter dessus? Fatigué, mais a priori, voilà. C'est vachement sympa d'être assis avec les jambes qui pendent, en vrai. Nous avons un établi mobile. Il y a encore un peu de boulot à faire dessus, mais l'étape 1 est bonne et c'est pour ça que j'ai pas fixé la planche, c'est pour pouvoir faire le reste. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis c'est les questions et des remarques, les commentaires sont là pour ça.